bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et je suis accompagné de... Miss B-Girl 45. Qui ne dit plus Sophie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'avais envie de changer. Ok, t'as bien raison. T'as deux opportunités, t'as voilà. Un pseudo, un prénom, il faut en profiter. Les amis, vous avez grave kiffé la première vidéo que j'ai fait avec Sophie, évidemment, où on a découvert le 751 avant sa sortie. Il nous manque encore des cartes, donc on s'est dit, allez, on est parti, une nouvelle salve de vidéos en exclusivité pour vous, YouTube, évidemment. Et dans cette vidéo, on va vous faire des petits cadeaux, on va vous faire plaisir. Donc, n'oubliez pas de mettre un like, c'est très important, ça soutient et ça prend pas de temps, peu de temps. Et surtout, si vous voulez revoir Sophie, bah, ça nous motive à faire plus de contenu à deux. Sinon elle revient pas. Bien dit ça, bien dit. Et un commentaire, évidemment, et on prendra quelqu'un au hasard, deux personnes au hasard, et vous gagnerez le plus intéressant de chaque ETB, c'est-à-dire la carte promo Reflex sous plastique, sous blister, ainsi que les intercalaires 151 et les sleeves 151. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une ETB, vous aurez au moins le contenu et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, un petit like, un petit commentaire. Soyez s'il vous plaît un petit peu inventif dans les commentaires. Dites par exemple quel est votre Pokémon préféré parmi les 151. Si c'est Smogogo, bah vous dites bah moi mon Pokémon préféré c'est Smogogo parce que il pue. Et voilà, vous avez des chances d'être tiré au sort. Mais soyez inventifs, voilà, pas des commentaires de merde. Ou Tantacool, parce qu'il est cool. Ou Tantacool, parce qu'il est cool. Soyez inventifs, et puis voilà. Et essayez un petit peu de nous faire rire, ou essayez de discuter. On adore lire les commentaires, donc profitez-en. On va ouvrir tout ça. On se retrouve après l'ellipse, dès qu'on a sorti les 9 boosters de chaque boîte. Je rappelle qu'on va ouvrir 2 ETB aujourd'hui. Allez, comme on vous a dit, on va vous faire gagner dans cette vidéo, il y aura 2 à gagner étant donné qu'on va ouvrir 2 ETB, le set 2D151, les sleeves de 65, évidemment sleeve 161, le code pour si jamais vous jouez au jeu en ligne, les intercalaires, ainsi que évidemment, le plus important, la carte promo Ronflex qui est plutôt très très belle. On a changé un petit peu l'emplacement des lives, vous nous direz un petit peu si ça vous plaît ou autre, mais l'avantage c'est qu'on peut avoir maintenant les cartes un peu plus inclinées vers nous. Allez, on est parti Sophie, 9 premiers boosters, let's go. On va perdre un peu moins de temps sur les Pokémon communs ou qu'on a déjà vu, évidemment, parce qu'il y a quand même cette fois-ci 18 boosters à ouvrir, mais on a la recherche de cartes surtout, Elector, S-A-R, évidemment. Allez, on est parti, premier booster, let's go. Magma, Hippotron, Abra, Topicœur, Bande d'origine, Nidorino, Noix de coco. Par contre, tu vois. Premier reverse, Abra. Et je recherche encore 3 reverse, me semble-t-il. Ouais, je vois, tu disais. 05. Et bah, on a remarqué que plus ça va, et moins il y a de cartes dresseurs dans les packs. Vous dites ça à chaque set. Non, c'est vrai. Et là, il y en a vraiment moins. Enfin, non, il y en a beaucoup. En vrai, il y en a quand même beaucoup. On tombe moins souvent dessus. D'habitude, on en avait beaucoup plus. Allez, on part sur du coup fixe. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sophie? Tapez 1. Si vous n'êtes pas d'accord, tapez 2, évidemment. Oui, Chenipan. 36-50. Chenipan. Magnéti. Evoli. Plagados. Qui est très belle, hein. Elle aussi, qui est très très belle avec le ciel étoilé. Ah, ils ont vraiment fait... c'est pour ça que c'est l'item le plus scalpé de France à l'heure actuelle, hein. Noix de coco reverse. Allez, peut-être derrière. Et c'est un nom. Nosferapto. Et c'est un nom. Mr. Mime. Orchid. Mais non, mais cherchez s'il y avait un nom pour. Mais non, ils font juste des mimes. Non, c'est des mimes. C'est des mimeurs. Porygon. Attention. Allez, Porygon. Turtle. Et Sulfura. Dommage. Bon, pour l'instant, toujours aucun hit. Quand on vous a dit que c'était pas si évident, ça tombe hein, quand même, ça tombe, on va pas se mentir. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la cour des miracles. Voilà, 151. Vous allez avoir, si vous avez la chance d'ouvrir 2-3 ETB, vous pouvez avoir que de la merde. Tout comme vous pouvez avoir une ETB, mais masterclass, qui vous donne 4-5 hits, dont de l'alternatif et que des full art slash AR. Mais c'est beaucoup plus rare, j'ai l'impression, que les ETB non masterclass. Donc, ça reste, pour moi, 151 reste un peu compliqué.
Persian. Bah en fait c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit t'as une ETB de ouf, soit t'as une ETB de merde. Oui mais vu qu'on n'arrive même pas à en avoir, c'est la frustration qui augmente en fait, tu vois. Ça va en avoir qu'une hectare de merde. Première reverse Nidoqueen. Et deuxième Aspico reverse. Et on finit Léviator. Sur un petit Léviator. Bon, mais là pour l'instant on a une énergie qui brille. C'est pas la fête du... Slybar. Pour être moins vulgaire. Parce que Slybar quand même. Ah, Slybar c'est vulgaire. Hein. Alors que Slype. Un petit Slype. ça régale. Allez, Aspico. Nosferapti. On a changé les lights, on les a mis derrière. Mais j'ai l'impression que maintenant quand on penche, c'est pas fou non plus. Bah, on n'a pas les reflets. Hein. Trio Picker. Je sais pas. Il faudra voir sur la vidéo. Dites-nous c'est quoi les meilleurs lights. Day and Light. Parce que moi, ça me gêne moins. Oui, je comprends. Allez, petit mais c'est pas toi le plus important. C'est les gens. Salamèche Reverse, c'était très très bien. Les restes. Et un Dodrio. Dodrio, toujours un petit peu, toujours un petit peu fin. Voilà, là on est un petit peu, il reste combien de boosters? 4 boosters. 4 boosters. Donc on reste un petit peu sur notre fin, c'est pas grave, on a 2 ETB, donc la deuxième peut rattraper la première quand même. Mi-tapo. Sachant que les bundles régalent pas mal, mais c'est déjà introuvable. Très compliqué. Galinos. Racaillou. Rondoudou. Aéromite. Galopa. Nidorina. Première reverse, Aquacouac. Allez, fais-nous rêver. Non! Terra en reverse. Malheureusement. Et... Pyroli? Oh! Pyroli. Par contre, qu'est-ce qu'elle est belle, la Pyroli, belle, hein, hein, quand même. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, j'aime bien. On aime bien. Allez. Aïe, 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 aïe. Les amis, 3 boosters restants. Toujours rien. Mais ça reste, en majeure partie du temps, dur. Oui, parce que nous, ce week-end, il y a beaucoup de gens qui se sont régalés, par contre. Hein. Oui, mais c'était sur des bundles et tout, hein. C'était rarement sur des ETB, hein. Donc ça reste compliqué, très compliqué. Alors que moi j'ai rien eu dans les... Ouais, je suis d'accord, Sophie. Ravi. À qui le dis-tu? Carabaf. Hypnomade. Allez, première reverse, c'est maintenant. Smogo. Attention. Aïe. Amonita, moi j'y crois, tant qu'il y a des boosters. Attends, si à chaque vidéo YouTube... Tu nous sors le truc dernier booster, on va pas s'en sortir. Hein. Ah, la plus rare et la plus stylée pour le coup. By the way. Bon, 2 énergies brillantes. On est pour qui? On est parti sur Starry. Starry. Solmash. Je crois qu'il y a rien en plus, tu viens de te spoiler. Chétiflore. Je crois. Hein, j'espère qu'il y a quelque chose. Hein. Je suis le premier à espérer là dans l'histoire. Mais non, mais attends, on se fait souvent avoir avec les bords maintenant. Hein. Magneton. Plus Tabri. Ouais. Articodin, très bien par contre. Hein. Reverse, très très bien. Non. C'était évident. Et Raichu. Et c'est terrible. Dernier booster. Bon, bah là, les gars, la triste réalité. Ah, bah ça. Il y a vraiment rien. Oui, mais c'est bien montré ça. Oui, enfin, bah, c'est chiant parce que vous n'avez pas le contenu divertissement en mode on a un Dracaufeu toutes les 2 secondes. Mais quoique, en live, premier booster, on a eu Dracaufeu alternatif. Mais ça montre aussi une réalité et on va pas la mentir, on va pas la cacher. Il faut dire aux gens la vérité. Tu peux lâcher dans une ETB 60 balles et ne rien avoir. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Otaria, Dodio, Tentacool, mais restons cool les amis. Roucarnage, Ammonita, Tauros. Allez, c'est maintenant. Carmelos. C'est maintenant l'exploit. Aïe. Dernier booster, que dalle. Bah ouais. Ouais, bah ouais. Bon. En une ETB, une ex à... allez, c'est 5 balles, je crois. 10 balles max, quoi. Gros doudou, hein, qu'on attendait évidemment pas du tout sur ce tirage. Mais voilà notre seul hit. C'est compliqué. C'est de la merde. Voilà, il faut être honnête, c'est de la merde. Les gars, on a acheté de la merde pour vous, ça sera ça au moins dans les rayons. Et on passe directement à la deuxième ETB. Allez, on est parti, deuxième fournée de 9 boosters. Bon, c'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est très très dur. Hein. Ce début de vidéo est très très dur, cette moitié de vidéo n'est pas facile. Je rappelle que si vous mettez un petit commentaire et un petit like, il y a un tirage au sort qui va se passer une semaine après la sortie de cette vidéo, parce que je ne sais pas quel jour exactement elle va sortir.
Mais voilà, soyez attentifs et on espère avoir quelque chose. C'est parti, Miaouss, Neuneuf. Mélophée. Machopper. Lamantine. Tignon. Allez, première reverse. Ah. Rotenrome. C'est un petit peu tout ce qu'on a eu. Un sécateur. Et Voltali. Allez, on est bon. On est bon. Non, bon, on est pas bon. Voilà, c'est le premier booster. Allez, on part sur du Topicœur. Soporifique. Bulbizarre. Draco. Mini Draco, pardon. Allez, c'est le moment de faire rêver, Sophie. Hein. Aquacoac. Sinon, je t'invite plus jamais, en fait. Scarabrut. Bah non, mais... Attends. Là, tu nous chies à la gueule. Transfert de Léo. Machoke. Aïe. Aïe, c'est pas grave, on va pas rester là-dessus. Ectoplasma. Troisième booster. Allez, il en restera 6 après. Vous l'aurez compris, il y a 9 boosters par ETB. Machoke. Pour l'instant, les amis, c'est terrible hein, ce qui est en train de se passer. Si vous vous êtes arrêté là, on vous montre une réalité qui fait mal. Poissora. Attends. Papillusion. Loclass. Allez, première reverse. Dodrio. Ah, oh, si c'est pas Mew, franchement, c'est je chiale. Voilà. Bon, c'est un peu rassurant. Attends. Là, il faudrait que tu nous sortes en vrai de vrai. Si tu nous sors une alternative dans les 6 derniers boosters, on a rattrapé les 2 ETB. Mais la première personne qui aurait acheté la première ETB, imagine quand même le seum qu'il aurait eu. Hein. Donc, elle est magnifique. Et dans l'Ultra Premium, c'est cette carte qui sera en anglaise et en métal, évidemment. Mew Gold, ça fait plaisir. Oh, j'en avais marre de l'énergie psy et de l'échange. Ouais, non, mais tu vois, bon, ça va, ça rattrape. C'est effectivement une des plus chères. Elle a un cadrage de fou furieux. Ça part en grading très, très vite et très, très fort. Bon, ça rattrape un petit peu. Allez, on est parti. Bon, il reste combien de boosters? 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le 6, donc il reste 6 boosters. Let's go pour cette ouverture. Caninos, on est tellement fiers de notre titre, les amis, on a sorti un chevalet, on l'a mis en exposition. Ah, on est content. Ah, c'est mérité. Bah, pour l'instant, c'est la seule qu'on a eue. Ah, on envoie tout. C'est peut-être la seule qu'on aura d'ailleurs. Donc, on se met au max. Mais quelle carte quand même? Des restes. Oui, c'est une très belle carte, oui. On est à 50€ la carte, elle rembourse l'ETB. Mais quid de l'ETB d'avant? Qui va la rembourser, Sophie? C'est ça la question. Magmar, mets les reverse avec les autres, on fera le tri plus tard, t'embête pas. Non mais c'est pas possible. Les amis, on l'a pas eu en 20 ETB, maintenant que elle. Je te jure. Que elle. Bon là, j'aimerais bien Dracaufeu, alors bon gros doudou, on l'embrasse. Et là, entre les scalpeurs, entre les profiteurs, alors, je crois qu'il y avait quand même, enfin, t'as des Maxitoy et tout qu'on vend, non? Maxitoys n'existe plus. C'est King Jouet. Oui, King Jouet. Apparemment. Bah, ils en vendent, mais ils en ont déjà vu. C'est quoi, quoi. Oui, c'est comme nous, en boutique. Les amis, en boutique, il y avait plus de 20 personnes qui attendaient la sortie de 151. Tout est parti en 2 heures. Ah, c'est 4 heures. Ayamano T-Shop. Montargis, n'hésitez pas à passer. Tout est parti en 2 heures, donc c'est quand même terrible. Allez, fais-moi rêver. Et même, t'as vu que même les airs, ça tombe pas. Hein. Mais non. Alors que tu te souviens qu'en japonais, on n'arrêtait pas d'avoir sac de nœuds et Staros. D'ailleurs, on va vous faire gagner quelques énergies. Voilà, ça fera plaisir aux deux gagnants. Chétiflor. Allez, il reste 4 boosters. Tant qu'il y a des boosters, il y a de l'espoir. Est-ce que le miracle est possible? On va voir ça tout de suite. Aerobite. Moi, j'y crois. Tablette. Turtle. Mewtwo. Mewtwo Holo qui est très très belle. Plus que 3 boosters, les amis. À vous de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces hits là. Alors, la Mew Gold, c'est quand même, on est sur 50 balles. Hein. Ça rembourse une ETB. Mais quid de la deuxième? Donc, à vous de nous dire un petit peu. Est-ce que si vous aviez ouvert 2 ETB, vous seriez tombé sur ça? Vous auriez été heureux? À vous de nous dire. Charisme de Giovanni. Ces cartes sont magnifiques au charisme de Giovanni. Allez. Pikachu Reverse. Oh là là, même pas une petite air, une petite friandise quoi. Non, ils veulent pas de full art. Il n'y a pas de friandise. Ils veulent pas nous régaler.
Je sais pas, la petite carotte qui fait avancer l'âne, quoi, un truc qui motive. Bah, en vrai, celle-ci, c'est pas un... Deux. Bon, il y a juste une ex-gold, mais bon, t'as eu la gold, quoi. C'est pas... Oui, c'est mais... C'est la première qui est frustrante, mais là, celle-ci, c'est... Ça va. Oui, mais... Oui, encore une fois, je sais que ça fait très rabat-joie, mais je me mets à la place de la personne qui ouvre une TB. C'est pas... Ça fait pas... Bah oui, ça fait mal. Ça fait mal. C'était avant aussi, faut se rappeler. Hein. C'était pareil. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis Écarlate et Violette, ils avaient fait des efforts. Les displays, franchement, deux alternatives minimum, c'était une régalade. Là, les ETB... En fait, je vois le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'ils ne sortent pas de display 151. Donc, il n'y a pas, il n'y a aucun item où tu as un minimum pour ceux qui ont de l'argent à dépenser. Donc, quand tu as de l'argent à dépenser, que tu achètes 4 TB et que les 4 TB sont comme la première, ah, tu sers le point, hein. Tu as dépensé 200 balles. Même les pires displays de l'histoire de Pokémon, il y a quand même un minimum d'ultra et tout. Mais là, tu dépenses 200 balles, t'as pas une ultra. Oh, waouh. Tu passes la journée les sourcils froncés, le week-end à serrer le poing, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ah, c'est beau. Donc le dernier booster là, jour. C'est le dernier booster de cette ETB. Ça va conclure la vidéo. Sticker. Mais là, les gens se rendent compte quand même aussi d'une réalité, mine de rien. Heureusement que dans le TB, t'as un ronflex. Ouais. Oui, bah c'est pas non plus la folie. Hein. Ah si, oh il est cool. Bon, Aquali, peut-être. Non. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je vais te sliver quand même pour les montrer. Je vais te sliver les énergies. Parce que, bah, on a que ça, donc on va les montrer quand même. Les énergies, ça tombe, ça, y a pas de soucis. Ouais, mais c'est... au début, c'est cool. Parce que t'es en mode, oh, c'est la découverte, des petites énergies, ça fait du bien et tout. Et je rappelle que les énergies, c'est vrai qu'on l'avait montré en live, on l'a pas montré là. Mais les énergies, il y a un petit numéro en bas. Donc, c'est une collection. Ça s'appelle. Ça va de 1 à 8. Mais en dehors de ça, tiens, il y a aussi ça. Voilà. Voilà. Bon, donc, bah... les amis, 2 ETB, soit plus de 100 balles, il faut être honnête sur les prix. Mew Gold, cool. 2 gros doudous X et des énergies, quoi. Mes énergies, tu les as automatiquement, donc en vrai, de toute façon... Donc là, les copains, dites-moi ce que vous pensez. Si vous auriez ouvert ces 2 ETB, quelle était votre réaction? Dites-moi un petit peu. Voilà. Moi, je suis par contre très content pour le Mew, je vais pas mentir. Après, c'est le hasard. C'est pas grave que ce soit les deux mêmes, tu sais, à la limite, il y aurait eu 2 Mew Gold, on serait tout aussi content, tu vois. C'est juste que c'est des ex, bah, c'est même pas une ultra, quoi, tu vois, c'est pas... Enfin, c'est le plus bas des ultras, c'est pas fou. Allez, n'oubliez pas quand même les commentaires, je rappelle que je vais prendre 2 gagnants pour les petits lots qu'on vous a mis de côté, dont la Ronflex quand même AR. Ça, faut pas la négliger, cette Ronflex, montre-la une dernière fois. Et Sophie, je te laisse le mot de la fin, voilà, je te laisse le mot de la fin. Donc c'est parti, c'est à toi. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire d'ailleurs. Et bah, je vous dis à une prochaine vidéo les petits potes. Allez, bisous tout le monde, bye bye. Salut.